Consulter un professionnel de santé était pratiquement impossible à Combani. Avec les barrages, les praticiens étaient contraints d'annuler les rendez-vous ou effectuer les tournées à pied pour les cas urgents. Pour ma part, j'ai fait une bonne partie de ma tournée à pied, notamment sur Combani et Miré-Rény, et c'était, c'était tendu. On va retourner à faire la tournée cette semaine, et nous espérons avec la normalité, mais c'est vrai que c'est compliqué. Une semaine de conflit compliqué pour les patients. Ça fait une semaine que j'avais rendez-vous et ça a toujours été reporté, suite aux événements aussi. Donc voilà, et là ce matin, je vais peut-être avoir la chance de voir une kiné depuis un mois que j'attends. Une situation alambiquée également pour ce dentiste fraîchement installé à la maison médicale de Combani. Maintenant, vous le savez, il y a quelques jours, il y avait des grands affrontements ici, directement dans la rue, devant la maison médicale. Et ça, effectivement, sur le moment, ça m'a choqué surtout, mais aussi un peu découragé. Mais bon, après, je me dis, ça va passer. Et de toute façon, maintenant, vous voyez, le cabinet est presque prêt. Je ne vais pas arrêter maintenant. L'ouverture du cabinet retardée par la crise Covid, le praticien dentaire était à deux doigts de renoncer à son activité. Et je viens de m'installer, donc si tout ça part en flamme, évidemment, après, il y a des assurances, mais tout le travail personnel, j'ai tout monté moi-même de A à Z. Ça représente un travail vraiment assez important. Avec plusieurs milliers d'euros engagés dans ce cabinet, la question du renforcement de la sécurité du site est en pleine réflexion. Une protection sans doute inévitable dans cette situation d'insécurité croissante.